pour tout le monde qui te souhaitait joindre une explication claire sur qui moment dans le cycle a fait enceinte, eh bien, restez branché pour tout détail. N'abvenez. Tout de suite, il y a un cycle menstruel et cycle ovulatoire. Le deux a gagné une certaine relation entre eux. Pour nous capables de connaître qui moment dans le cycle la fille a enceinte, il faut que nous prédit qui date avec la tournée parce que l'ovulation produit généralement 14 jours avant avec la tournée. Si nous avons un exemple concret, il y a une fille qui a un cycle 30 jours. Ça veut dire que chaque fois qu'elle a un règle, elle attend 30 jours pour les tournées. On dit que la fille a été 15 septembre. Dans le cas ça, elle attend 15 octobre pour les tournées. Ouais, règle encore. Donc, c'est date ça, 15 octobre, là, c'est le cas de la fille à 30 jours. Eh bien, pour nous connaître qui le monde ça a 47 pendant ce cycle-là, nous avons cherché d'avoir 14 jours avant date réglata de tonnerre. Ça veut dire, et pour faire ça, il a tombé 15 octobre. La nourriture est 14 dans 15, ça veut dire 15 octobre, c'est date nous dire, et réglata de tonnerre. Donc, nous avons pris 14 là-dedans, eh bien, la bonne premier. Donc, 1er et octobre, c'est date que fiat a doué ovuler. Eh bien, ovulation, les mêmes qui s'allient. Donc, si on a parlé d'ovulation, pour nous, on connaît qui sa ovulation. Eh? Mais ovulation, c'est les glandes qui sont les ovaires, qui libèrent un ovocyte, qui est capable de rencontrer un spermatozoïde de garçon pour lui causer fécondation. Ou bien, nous capable de dire pour fiat 47. Dans le cas ça, nous dit l'improbable ovulation en fait 1er octobre. Les nombres 14 dans 15, ils 1. Donc, 1er octobre, c'est date d'ovulation de la défaite. Mais, comme il y a un facteur tant que stress, émotion, qui cause que l'ovulation est faite 2 jours avant ou bien 2 jours après, date nous prévoir fiable ovulaire, qui est 1er octobre. En plus, nous avons un spermatozoïde qui a arrêté notre tractus génital fiable, ça veut dire que fiable a une relation sexuelle. Et 3 à 5 jours avant, date ça, spermatozoïde a arrêté notre actus génital fia pour le temps d'ovulation en fait pour rencontrer avec ovocyte pour fia enceinte. Et l'autre élément pour nous tenir compte, c'est que ovocyte même tout, il a arrêté vivant jusqu'à 24 heures après il a fini libéré et par ovaire. C'est raison ça qui fait au lieu de choisir seulement 1er octobre là comme jour fia 47 là parce que notre 1er octobre là c'est la date ça nous pour voir que fia a ovulé. Et l'ovule décède à la libérer ovocyte là, qui va dans le spermatozoïde pour l'enceinte, donc on a le 1er octobre à l'enceinte. Mais à cause et bagages à nous parler avant, et question stress qui a cause ovulation faite avant ou après, et puis spermatozoïde garçon qui a été attendu ovocyte là, donc nous dit le préférable pour nous choisir un intervalle. Que nous avons les périodes à période fertile, qui c'est période côté fille à lui-même les 47. Eh bien, n'a pas le moins. Je ne choisis pas fille à ovulaire, qui c'est premier. Nous quittons 5 jours avant, comme on marge. Et donc, 5. Et là, nous retirons le 1er octobre. Nous avons tombé dans 26 septembre. Donc, intervalle, nous avons sorti 26 septembre. La passe dans 1er octobre, qui c'est la date qui est plus probable de prévoir fille à ovulaire. Et puis nous disons qu'il y a quelques jours après, parce que l'ovulation doit être 2 jours après, et l'ovocyte a toujours arrêté de vivre 24 heures, donc il y a 4 jours après. Donc ça a fait nous sortir 26 septembre, nous arrivons 4 octobre. C'est pendant la période de la fille à 47. Bye bye tout le monde, on a encore une autre vidéo santé.